Écoutez, on n'est pas représenté du tout, on est les collectifs de défense PME-TPE. On représente 98% des entreprises en France. Alors le gouvernement répond vite aux pigeons parce qu'ils foutent deux coups de bec, parce qu'ils sont millionnaires et ils ne sont pas représentatifs du tout. Alors nous, on vient dire notre ras-le-bol des banques qui n'existent plus, l'État qui est invisible. Madame Pellerin, ministre des PME, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue, on ne l'entend pas à part parler de karaoké. Et d'où nous, on crève, nous, en France, on crève. Et apparemment, le gouvernement s'en fout, tout le monde s'en fout. Et pourtant, on représente 7 millions de salariés. Merci. Voilà. Merci, madame. Non. De l'intérieur, le ministère de Valls nous empêcherait de rentrer dans le salon d'automobile pour manifester dignement. L'objectif, c'est de dénoncer la politique des patrons qui est de licencier à tour de bras dans l'automobile. Faire la démonstration que le cap. Discuter des revendications des salariés qu'on ne veut pas se faire. Ouais. Voilà, c'est une politique du gouvernement. On va voir l'attitude des forces de police. On va voir vraiment l'attitude du gouvernement face à une mobilisation pacifique des travailleurs de l'automobile. Monsieur, merci. Vous ne vous sentez pas entendu. Point sur la table, et le gouvernement, il s'est retiré. Il a reculé. Nous, ça fait 15 mois qu'on se mobilise. 15 mois qu'on lutte pour défendre notre boulot. C'est quand même autre chose. C'est une revendication légitime. Alors là, si on nous envoie les CRS, c'est un message très clair que le gouvernement, il va faire passer aux salariés. Eh bien, on l'entendra ce message. Et on en tirera les conséquences qu'il faudra en tirer. Ne vous inquiétez pas. Thank you.
Philippe a dit qu'il avait pour pleuvoir. Oh, Hans. Henri Pégase, c'est les RG.